Voici l'endroit où je vais venir acheter mes produits pour pouvoir faire mon eau de chaux toute seule. J'ai téléphoné aux différentes pharmacies auxquelles je vais. Et malheureusement, l'eau de chaux, ça revient à plus ou moins 28 ou 25 euros le litre, je crois, ou les 500 millilitres. Donc on m'a conseillé ici la droguerie Le Lion. Et donc je leur ai téléphoné et ils m'ont dit qu'il était possible de faire son eau de chaux soi-même. Donc c'est parti. Tester tout ça. C'est assez spécial comme boutique. J'ai pas l'habitude. Bonjour monsieur, c'est moi qui vous ai téléphoné pour l'eau de chaux. Oui. C'est vous que j'ai eu ? Oui. Et je veux que ce soit le plus naturel possible en fait, puisque c'est pour nettoyer les fesses de mon bébé. Je vais faire le liniment avec. Est-ce que dans l'eau d'étudiant, c'est plus de dioxyde de calcium que dans l'eau normale ? Pardon ? C'est en mettre plus dans l'eau distillée que dans l'eau non distillée. Ah, d'accord. Ça, c'est pas vinaigre, comme t'as vu, tu manges. Ça s'est dessus très très mal. Hein. Mais bon, il faut bouillir trop. Au plus que vous bouillez, au plus que vous pouvez mettre de l'hydroxyde de calcium dedans. Ah, ok. Donc, je prends une casserole. Voilà. Je mets combien d'eau ? Ça dépend combien. Bah, moi, en fait, je remplis à chaque fois. Si c'est un processus très très long, je vais faire une grosse quantité, mais après, si je peux pas remplir. Je me tiens avec un litre. Moi, un litre. 10 grammes le litre quand même dedans, un peu plus. Après, ça ne dissout même plus. Ok, ah d'accord. 20 grammes, mais voilà. Distillé, ça fera plus. Et quoi, est-ce qu'il y a une consistance que je dois obtenir ou comment je vais savoir que je dois arrêter ? Ça va se dissoudre simplement. Donc, dès qu'on voit que ça reste en bas, c'est qu'il y a trop. Y a trop. Ah, c'est comme le sel, vous mettez dans l'eau, ça se dissout. Ou le sucre, ça reste en dessous. Quand vous chauffez votre eau, vous faites rembouillir, vous mettez dedans, cuillère par cuillère. Puis vous voyez, dès que ça se dissout pas, mais bon, ça prend un petit moment, on tourne les cartes un peu. Ok, ça doit bouillir à combien de degrés l'eau ? L'eau, ça bout toujours à 100 degrés. Donc, 100 degrés ouais. C'est vrai ça ? Je ne sais pas. Elle bout toujours à 100 degrés, elle mais pas plus. À 100 degrés, pas plus, non. Ah, d'accord. Et vous préférez quoi ? L'eau distillée ou l'eau normale ? L'eau distillée, vous pourrez en mettre plus dedans, donc c'est toujours mieux de distiller. Ah, d'accord. Et quoi ? Au plus il y en a dedans, au mieux c'est au mieux en fait. C'est, voilà. Au plus que. À quel niveau ? Mais c'est la chaux, elle va désinfecter un peu, disons, en fait. C'est antibactérien. Elle va plus désinfecter, voilà. En fait, s'il y a plus de chaux dedans. Et comment ça s'appelle, ça ? Du hydroxyde de calcium. Hydroxyde de calcium. C'est la chaux. C'est le la chimique, en fait. Ah, d'accord. C'est le chimique de la chaux. Ah, super. Oh, il y a plein de trucs à apprendre ici. Ok, alors mettez-moi 50 grammes, je vais tester. Okay. Et si j'adhère... Voilà. Et donc, voilà, après, s'il y a encore des restes, vous passez dans un filtre à café, simplement pour avoir tous les restes qui partent. Et je peux récupérer ça ? Ouais, tu peux récupérer les restes, quoi. C'est un truc de dingue, hein. Cette boutique Rigato. J'adore. Et il y a trop de trucs, en fait. Et là, le cerveau, il fonctionne plus. Donc, j'ai pris les trucs les plus utilisés. Ils ont de la peinture. Oh, ces contenants sont super beaux. Ordure. Orgasme. Or senior, c'est super beau. J'adore ce style de boutique. Mmh.